Et bonjour les amis, c'est Arm, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, merci, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des 101 Dalmatiens. Je sais que pendant une semaine, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu trop de vidéos, c'est parce que je suis tombé malade, genre, je vais dire incessamment sous peu, mais non, j'espère pas, j'espère retomber malade du moins. Voilà, je suis tombé malade, je m'y attendais pas, genre j'ai pas été prévenu de ce fait. Du coup, j'ai pas pu vous prévoir des vidéos en avance, c'est un peu logique, je trouve. Du coup, nous sommes sur les 101 Dalmatiens. Hi babies, how are you today? Alors, attendez, on a Perdita et Pongo. Alors, oui, j'ai 33 niveaux, mais pas que. Pendant. Oula. Ça n'a pas l'air d'être. Ok, ça va. Ça va aller. Ce que j'ai fait en fait en off de mon côté, c'est que j'ai juste miné en fait, vu que je pourrais pas tourner. Voilà, comme vous voyez, j'ai toutes ces ressources là récoltées. Pas trop de diamants, je suis d'accord. Mais bon, j'ai récolté tout ça. Est-ce que j'ai des choses dans mes coffres? Oui, j'ai de l'or qui a cuit, j'ai du fer. Et j'ai cassé des arbres. J'ai cassé beaucoup d'arbres parce que voilà, il faut faire de la place pour la construction de ma petite maison. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de prendre les name tags. Je vais en prendre deux. Normalement, si je me rappelle bien, on va avoir un chien qui s'appelle Lancelot. Voilà. Where are you, bitch? Bah, toi. Voilà. Et on va en avoir un autre. Dixie. Je vous le remonte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois. Mais voilà. J'essaie de faire ma petite youtubeuse beauté pour vous faire des petites photos. Oh, trop mignon. Dixie est le chien de Dylan. Donc Dylan, on va, j'allais dire on va appeler le chien Dylan, mais non. Du coup, Dixie, j'avais pas pu faire ça précédemment parce qu'il me manquait tout simplement des niveaux. Du coup, toi, tu seras Dixie, Lancelot, Pongo, Perdita. Voilà, Pongo et Perdita sont les parents. Du coup, on peut pas leur faire asseoir puisque, bah, puisque nous sommes nuls, tout simplement. Puisque nous sommes nuls, je vais juste prendre des cookies. Là. Hop. Je vais faire. Bon, je peux poser tout ça, clairement. Je vais prendre. Rien du tout. Je vais déjà rentrer ici. Ah non, hein. Ah si ça bug, je serais pas content. Ah non. Mes chiens peuvent se tailler à tout moment. Moi, ça ne va pas me plaire. Je vous le dis. Voilà, je pense que je vais me décoroco, histoire d'être sûr, parce que j'ai pas envie d'avoir des bugs, que mes chiens se barrent beaucoup trop loin. Oui, en fait, ça met du temps à charger tout ça, genre, regardez, c'est grave moche. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant que tout ça charge gentiment? Bah, rien de spécial, écoutez, j'ai une vie extrêmement nulle, surtout quand je suis malade, même pas malade en fait, j'ai une vie extrêmement nulle, faut pas y croire. Ouais, bah j'ai rien foutu, en fait j'ai dormi, j'ai regardé Gossip Girl et j'ai dormi, j'ai bu un peu de champagne avec mon éperlingot et j'ai dormi. Ouais, j'ai pas fait grand chose, clairement j'ai pas fait du tout grand chose. Bon, ce serait bien que ça change quand même, s'il te plaît, merci. Toi, on te met debout. Toi, on te met. Toi, il faudrait en fait que tu restes pas dans ce coin. Clairement. Parce que c'est à cause de ça. Ouh là là, ça bug. Suis même pas à 30 FPS, c'est une vaste plaisanterie. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des bugs qu'on doit. Avec. Pongo. Perdita. Allez. Ah. Ça marchait du premier coup. Ouh là, il y a une sorte de partouze par ici. Ah, ça met du temps. Oui, il y en a un qui est à deux doigts de sortir. Je comprends pas ce qui se passe. Eh, recoucou! Ça y est, il n'y a plus de bug. Je suis avec Big Bibule. Ah, il a pas vu mon message. En fait, Big Bibule m'aide. Oh non, le bébé. Oh non, 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 non. On a le bébé, on a le bébé. Il faut que je le renomme. Alors, attendez. Pongo, tu t'assois. Où est Perdita? Non. Perdita? Non, c'est Lancelot. Perdita? Oui. Super. Oh là là, t'es grosse, mais je l'aime trop. On va l'appeler comment? Je vais regarder ça tout de suite. Alors, on a eu Dixie et là. Jenna. On n'a pas de Jenna. En bas, on a Framboise et.
et j'allais dire des iguales, non, il est hors de question. Bref, on va l'appeler Jenna, because Jenna is very cute. Peach, look that eyes, yours. Bref, on va l'appeler Jenna. Hop, je like la photo à chaque fois que je nomme un chien, tout simplement, pour ne pas me mélanger les pinceaux. Du coup, Jenna. Voilà. Hop, hop. Oula. En fait, il faut. Sérieusement. Jenna. Oh, baby! Il faut sérieusement commencer à penser. À commencer la construction de la maison qui devrait arriver incessamment sous peu. Parce que là, comme vous voyez, ça commence à être un peu short, quoi. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, je n'en ai aucune idée. Écoutez, voilà. Déjà, je vais ranger tout ça. Hop, ok. Ça va ici. Je pense que ce que. 1, 2, 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Oh, je veux dire occuper, non. Copuler nos deux chiens qui sont en bas, en fait. Parce que nous avons deux chiens en bas. Et puis, voilà. Là, je me suis occupé de tout ce qui est mouton, vache, cochon pour les regrouper encore plus. Alors, on va y aller là-bas directement. Parce que nous avons framboise et. Framboise et. Oh, j'essaie de m'en rappeler en fait. Sans. Attendez, framboise et. Darling. Ça se rapproche de Désigual après tout. Mais bon, c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas ça du tout même. Hi. Oh, on voit pas leur truc, c'est. C'est chiant. Yas. Oh non! Il ressemble à rien, mais il est trop beau. Même pas un rêve, tu sors. Ok, bah ici aussi, leur famille, ça commence à s'agrandir. En fait, il faut qu'on fasse quoi, les amis? En fait, il faudrait, après cet épisode un peu chill, détente, qu'on commence sérieusement la maison parce que. Oula, ma coupe. Enfin, ma coupe. Quelle coupe même? Il faut sérieusement qu'on commence. Oh, mais peu. Qu'on commence la construction de la maison. Une fois qu'on a fini la construction de la maison, faut qu'on commence à aménager tout ce qui est vache et tout. Là, on va pas alors laisser ici. Because, voilà, c'est un peu le bordel. Du coup, voilà, pas mal de choses à faire, mais j'avais fait quelques tests de mon côté pour la maison. Mais le truc que je me rends compte, c'est que. C'est qu'en fait, ils me font un truc un peu central, ovale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, la maison va être centrée, groupée ici. Putain, mais qu'est-ce que ça va bugger ici avec un chien? Je veux même pas imaginer. Et en fait, pour nos animaux, genre tout ce qui est vaches et tout, j'avais pensé à des installations dans les montagnes. Avec des ponts qui vont être reliés et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça pourrait être très joli à voir encore ce que ça peut donner. Ok. Et il faudrait aussi que j'aille chercher des loups. Il me faut des loups. Il me faut des loups aussi, clairement. Du coup, écoutez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on part à la recharge de d'autres chiens? Qu'on continue l'agrandissement de notre SPA? SPA, notre refuge plutôt. C'est ce qu'on va faire. Je vais prendre des laisses et on va s'occuper de ça pour cet épisode. J'aimerais trouver d'autres races de chiens, mais un couple. Voilà, en trouver deux, ça serait vraiment génial. Je vais prendre ça avec moi. Hache, pioche. Ok, normalement, je vais prendre le lit. Je vais prendre le lit pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme ça, je peux dormir à n'importe quel moment. Comme ça, voilà. Moi, j'ai extrêmement peur de me taper énormément de monstres, de mourir et tout. En plus, le truc c'est que maintenant, un point 11, 12, 14 là, pour renommer des name tags, il te faut un niveau. Sauf que vu que je suis en point 7, point 10, il m'en faut 5. De piquant, genre il me faut 5 niveaux pour renommer name tag. Où t'as vu ça où? Je trouve ça un peu abusé.
Mais bon, on va faire avec parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Hop, j'ai aussi changé, comme vous voyez, les arbres, je les ai mis en carré. Je trouve ça plus beau pour les constructions. Certes, ça fait moins réaliste. Mais quand on construit des choses, je trouve ça tout de suite plus joli. Parce qu'il y a des endroits où les blocs, ils ne se collent pas. Je trouve ça un peu moche. Voilà. Tu vois que je vais prendre quelques bois. Ça va avec une pioche en fer, ça va assez rapidement. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup de fer et tout. J'ai pas beaucoup de diamants parce que j'ai pas trouvé beaucoup de diamants entre nous. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que j'étais pourtant dans une sorte de faille et tout, à profond. J'ai fait énormément de minage au petit parce que ça me détend de malade. Même en faisant du minage au petit, j'ai trouvé uniquement 6 diamants. Je trouve ça entre nous peu. Bon, bébé. Alors, 1, 2, 3. Ok, 3, 2, 1, 2, 3. Attendez, 1, 2, 3, ok. Et là, en fait, il suffit juste qu'on fasse comme tout à l'heure. Voilà. Oula, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nickel. On va manger un coup pour ne pas mourir quand même, ce serait un peu dommage. Il me faut des barrières. Hop. J'ai fabriqué mon 10e table de craft. Oula, il faut que je pose mon lit. On peut toujours pas dormir. Hop. Hop, on peut dormir? Non, on peut pas dormir. Oui, ça m'angoisse, je... Hop. Hop. Nickel. On va poser ça gentiment par ici. Voilà. On peut toujours pas dormir. Ok. Ah, j'ai plus de bois, mais ça va trop vite. De toute façon, voilà. Tout le bas pour faire... la perceuse. Hop, hop, hop. On va se calmer tout de suite. Ah, y a les conversations avec Bic. Du coup, c'est parti. On va prendre encore un peu de bois. Et je pense qu'après cet épisode, moi, je vais partir en off, faire mes tests de construction. Pour la maison, parce que voilà, il nous faut une maison, il nous faut une maison, c'est sûr et certain. Et il faut que je commence ça, quoi. Je commence ma petite maison, enfin petite entre guillemets, parce qu'il va en falloir quelque chose assez grand pour contenir sans un chien dedans. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé à ramasser des ressources. Donc, il va me falloir principalement ça. Ok, il va me falloir. Hop, 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 des dalles. Et on sera bon. Du coup, ce qu'on fait, c'est ici. Ah non. Alors, du coup, ça fait ça. Voilà. Ici, ça fait ça. Voilà, tout droit, forcément. Jusqu'au bout. Hop. Ouh, pardon. Et pardon, madame. Du coup là, hop. Et le fait de refaire ça avec vous en fait, ça me permet de bien enregistrer bah, le pattern. Parce que oui, ça m'arrive d'oublier des trucs. Vraiment, ça fait un peu peur ça d'ailleurs que j'oublie autant les choses quoi. Voilà. Et il me restera à poser juste ces trucs là. Oula. Ok, ça c'est fait. Et... Ok, nickel. On va aller chercher des chiens. Quelle race de chiens nous allons prendre? Je ne sais pas. Eux, c'est plus ou moins good. On leur amènera à balayer les petits copains qui sont là une fois qu'on aura installé la maison parce que... Oh! Mais toi, j'en avais vu d'autres de. T'as les yeux tout noirs, bébé. Oh, c'est des chiens saucisses. Avant que j'aille le mettre en sécurité. Ah, regardez, il y en a un autre juste là. Viens, bébé. En fait, je préfère prendre les deux. Comme ça, je suis sûr que j'ai les deux. Oh, on a des chiens saucisses. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. Allons-y. On y va. Putain,
Imaginez genre 60 épisodes après. Tout ça aménagé, décoré. Oh là là, ça fait de magnifique. Allez, hop, tu rentres, tu peux rentrer, je sais. Je vais pas quand même te casser ça. Elle va où celle-là? Allez. Ok. Oh, baby. Oh, ils sont trop mignons. Oh, mais regardez ses yeux, c'est tout droit. Je craque. Je craque. Du coup, pour tout ce qui est vache et mouton, est-ce que... Je me gratte là, je sais pas comment on appelle ça en droit. Est-ce qu'on les fout là? On les fout là-bas? J'en sais rien. Ça, je peux le casser, oui. J'ai hésité un moment. Je n'en ai aucun. Il me faut quand même un endroit plus ou moins grand. Ou alors, on pourrait les faire sous notre maison. Mais est-ce que sous notre maison, on pourrait faire autre chose? You know. Du coup, je pense qu'on va installer tout ce qui est vache, vacherie, moutonnerie par ici, quoi. Ça serait vraiment joli. On aurait une vue de là-bas. Du coup, en fait, il faut qu'on casse de l'intérieur. On ferait des petits passages. Oh, y a des poissons. À chaque fois que j'ai le mot poisson, ça me fait penser à Miss. Genre, quand elle criait des poissons, il y a des poissons. Bref. De quel côté on va y aller en fait? C'est ça qui va être le plus. Là. Il faudrait que je me renseigne aussi sur les oiseaux. Ça pourrait être pas mal pour voir comment on va faire. Ok. Donc attendez. Pour tout ce qui est vache. Oh, on a aussi l'autre endroit là-bas. On a beaucoup d'endroits à explorer en fait. Vraiment beaucoup. Il y a ces chiens-là partout. Non pas que je vous aime pas, mais un peu d'innovation. Je vais essayer de faire un tour complet quand même pour voir. Oh. Pour voir ce qu'on a généralement. Oh, des poulpes. Il y a quelques chiens dans l'eau qui m'inquiètent un peu, hein. J'ai pas envie qu'ils se noient, qu'ils aient plus de force pour nager. Ou alors il est en train de prendre son petit bain. Il est en train de. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Fais ta vie, Armand. Je te dérange pas, moi. Ah, ici ça pourrait être pas mal parce que regardez, on a déjà une sorte de petit pont naturel. Un petit passage sur l'eau plutôt. Toi, on peut te tuer, non? Bon, on va laisser maintenant là. Bah oui, on va le faire plutôt ici parce que regardez, on est juste à côté des vaches et tout. Il y a le petit passage par là. Attendez. Est-ce que je monte par ici, moi? Ok, je monte par là-bas. On va faire les trucs par ici, ça pourrait être très joli. Mais plutôt une vue de l'autre côté. Enfin, de là. Comme ça serait visible du côté des 101 Dalmatiens. Et je trouve ça très joli. Genre à cette hauteur, ou un peu plus haut peut-être. On va essayer de monter un peu plus haut, mais pas trop quand même. Genre là. Là, c'est parfait là. Ok, oh, c'est de la terre et j'ai pas de. Oups, j'ai pas de. De pelle, voilà. Oula. Hop. Alors, on va creuser de l'intérieur pour donner une sorte d'effet de relief. Pas mal large le truc pour que ça se voit tout simplement. On aime les choses qui se voient. Ne mentez pas. On adore même. Donc voilà, là on peut faire ça pour plus d'effet de relief. Hop, du coup, ça on pose. Il faut qu'on casse toute cette terre et mon Dieu qu'il y en a beaucoup. Je pense que je vais faire une pelle en bois. Ça sera toujours ça de prix. Putain, qui veut des pelles en bois même? Hop. Attendez juste. Tac. Voilà, on va juste faire la délimitation. C'est comme ça qu'on dit, la délimitation. Pour qu'on voit où est-ce qu'on en est, quoi. Pour qu'on se retrouve prochainement dans les épisodes. Par contre, là, je serais partant de laisser ça comme ça, tu vois. Ça serait encore plus joli. Faut pas oublier de casser ça.
Okay, bitch. Voilà. Par exemple, ici, on pourra foutre genre tout ce qui est vache. Un peu plus loin, on fera tout ce qui est mouton. Après, poule. Après, cochon. On fera tout. On a le temps, de toute façon, on est là encore pour 3 ans, les gars, vous savez. Ça, c'est sûr et certain. Oula. J'ai peur que la nuit tombe. Plutôt là, parce que là, on va casser bientôt. Elle m'appelle, se casse déjà bientôt. Finalement, on va casser tout ça parce que ça va être vite handicapant, je trouve. Ok, on va casser aussi cette hauteur-là. Donc, ça, on casse. On va casser des choses qui dépassent pour le moment. Voilà. Hop. Et on va laisser juste le truc de marron là qui dépasse. Ça pourrait faire beau. Genre là. Comme ça. Amigos. Voilà. Ça va être tout jojo. Hop. Ça va commencer à prendre forme. Si on fait des petits trucs comme ça tous les jours, ça va vite prendre. Et regardez, punaise, c'est déjà pas mal. Et ça va vite en fait. Ouais. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Il faudrait faire plus grand. Mais c'est déjà pas mal. Hey. Bref, les amis, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Prochain épisode, faudrait qu'on attaque la maison. Juste la base au moins. Qu'on soit un peu. Qu'on sache où est-ce qu'on en est, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore à vous de m'avoir envoyé les petites photos de vos chiens. C'est trop adorable, trop mignon. Mon Instagram, c'est dans la description si jamais vous voulez m'envoyer des photos sur mon Instagram de vos chiens. En attendant, prenez soin de vous, des gros bisous et rendez-vous prochainement pour la suite. Des bisous à la prochaine. Salut, salut, des bisous.